Voilà une petite vidéo qui va vous permettre de travailler deux grosses choses que je vois chez les amateurs. La première, c'est un démarrage beaucoup trop intérieur avec une phase de club qui s'ouvre. Et la deuxième faute, c'est des mains trop actives dans la zone d'impact parce qu'on a absolument, envie de lever cette balle alors que ce qui lève la balle, c'est le loft, c'est pas les mains. Donc, je prends une baguette, tout le monde a ça dans son sac, ou presque. Sinon, je trouve un tuteur de jardin. Je le mets le long de mon grip ici, je laisse dépasser. Je vais me retrouver ici, baguette un petit peu à gauche. Et l'objectif va être de faire un démarrage en gardant la baguette en contact avec ma cuisse gauche. Donc, de profil, ça va donner ça. Voilà, ici. Là, c'est juste. La faute, c'est ça. Donc là, je vois tout à fait rapidement que je fais la faute puisque je vois avec mon œil gauche la baguette apparaître. Donc ça, c'est faux. Ça, c'est juste. Vous pouvez vraiment travailler ça pour être sûr d'avoir un démarrage dans le plan correct. Ensuite, pareil, je garde cette baguette. Je la mets toujours au même endroit. L'objectif, ça va être de tourner autour de moi, donc faire un swing sans que la baguette vienne toucher mon côté gauche. Si je fais ça, si je mets des mains trop actives dans le swing, je vais tout de suite me toucher ici, je vais me faire mal. Donc l'objectif, c'est de taper des balles comme ça. Alors on va commencer au petit jeu, hein, chipping, coup à 30-40 mètres, ici et là, ici et là. Et non pas ça.